Bonjour tout le monde, je tiens à nous venir avec une différente vidéo pour vous qui c'est un riz jardinière. Ça c'est ingrédient que m'a utilisé pour me faire du riz, hein. Carotte, chou, ça c'est betterave là qui n'a même là. C'est tout ça qu'on a utilisé, ça c'est piment douce que n'a bien besoin, ça c'est bouquet garninon qui s'est persil avec thym. M'a utilisé un grain de magui, ça dépend de quantité à faire, ça dépend de où, m'a utilisé un petit pois chousse. Moi-même, j'ai utilisé l'épice du chef. Il n'y a pas de boîte là, même parce que si on m'a intéressé, il est vraiment bon. Ça, c'est poivre que j'ai utilisé. Ça, c'est sel que j'ai bien besoin. Ça, c'est persil, mais moi, pas utilisé. Parce que j'ai fait bouquet gagné, pas utilisé. Et puis, ça, c'est lait cocoyé. Ça, c'est lait cocoyé que j'ai bien besoin. Ou bien coco et nous gâchons tout, ça c'est épice. Et puis nous sommes chou que moi t'ai montré nous. Hein. Ça c'est tomate que moi toujours aimé mettre. Mettre en graine tomate mâchée, ça c'est carotte, ça c'est piment douce. Mâcher tout en carreau, ça c'est piment piqué que je pique girofle là-dedans. Et puis ça c'est betterave là. Moi racher en carreau encore. Ça dépend de où, qu'a fait le petit ou qu'a fait le gros. Moi je fais le moyen. Et puis ça c'est choix que vous rachetez en long. Pas trop petit, pas trop gros aussi. Vous mettez le moyen. Moi-même c'est comme ça que je fais. Ça c'est l'huile que nous avons besoin. Ça c'est beurre que nous avons besoin. C'est tout ce que nous avons besoin pour nous faire du riz jardinier. Mais il varie, ça dépend de nous. Il y a des gens qui ont ajouté n'importe poids. Poids Congo, poids France, poids dans la canette. Ça dépend de vous. Normalement, moi, je me fais avec pois chousse. C'est lui que moi utilisé. Et en plus, moi, je ne mets pas épinard. Bah, je mets épinard là-dedans. C'est tout ingrédient ça que moi utilisé pour moi faire un du riz jardinier pour nous aujourd'hui. Et puis là, c'est chaud. Je mets chaud. Pour moi, je vais mettre l'huile là-dedans. Pour moi, je frit tout légumes ça que nous avons. Et puis là, c'est que chaud. Nous avons l'huile là. Et puis du feu sous high, ça veut dire chaud, dire moins chaud, et ça fait quelques minutes que l'il a. Et puis nous prenons le même petit principe là, toujours me mettre un petit oignon tout petit, fois ça m'ajoute un petit piment de sardin et que me racher au petit. Le vécu manger, moi même mettre bagaille ça on a mangé. Le m'a préparé. Là m'a boissé ensemble et m'a dit nous tout merci tout le monde qui l'a eu, tout abonné moi qui prend temps. Qui garde toutes vidéos mio et qui abonne qui fait un autre mon abonné m'a dit nous merci mon pas gen mot pour moi dit nous merci moi nous commencer faire en famille mais pas négliger qui tes commentaire pour moi et puis là c'est l'ail moi que m'a utilisé moi mettez comme toujours dit nous pas même mettez l'ail dans épice que moi blender me toujours blender la pas avec un petit huile comme ça gen pas avoir faire juste besoin petit l'ail et ça fait me toujours faire la pas mettez l'ail moi. Ça c'est l'ail moi qui frit avec petit piment douce là, ils ont un petit raché pour qu'on ait mangé un bon goût. Nous connaissons l'ail bon pour la santé, mais il y a des gens qui font. Et puis pas oublier, continuez à abonner, subscribe avec Chanel là pour encourager. Merci, pas de mots pour me dire merci. Ça c'est l'épice que m'a mis, nous connaissons l'épice que m'a fait, c'est moi-même qui prépare. Ça c'est l'épice là que m'a mis, boissez là ça. Pas oublier like, pas mon like pour dire comment vidéo arrive sur vous. Pèsez petit bouton pouce là pour ban mon like. Là, on a boissé. Et nous avons pour nous faire un gros applaudissement pour tout le monde qui est là et qui peut mener l'autre monde venir dans la famille. Farah cuisine créole là pour nous apporter plus de recettes créoles pour nous. Ça fait un plaisir. Et puis là, on a boissé. Je profite de petit moment ça pour moi qu'à remercier nous, pour moi qu'à encourager nous, abonner, faire un ami, nous partager channel là. Et puis quitter commentaire pour moi. Et puis là, m'a mis des poids. Ça c'est du pois chousse. Ça comme dit nous, nous pas mettre n'importe poids non vli. Moi utilisé pois chousse. C'est lui vli, c'est lui moi mais c'est lui moi utilisé. Mais nous qu'à utiliser n'importe poids. Vêtements que nous voulons. Moi-même, c'est les mêmes moyens, mais c'est les mêmes moyens utilisés. Ok, là, c'est pour tous, moi.
kap fri nan epis la la. Et puis m'a ajouté un petit piment douce, mettez piment douce. M'a ajouté piment douce moi. Et puis m'a mettez petit magi moi, magi, onken magi parce que m'a fait un pile en plus moi mettez plus du chef. C'est mettez tomate là. Ça c'est tomate moi que m'a utilisé moi. Ça c'est bagage moi utilisé moi même pour me faire du jardinier. Ça fait que ou même capable utiliser. Quitte ton commentaire pour moi pour nous dire comment nous faire, mais moi-même, waouh, façon ça, c'est vraiment goût. Et c'est coupé droite. Allez essayer la bonne nouvelle en bas en commentaire. Allez essayer, pas négliger. Allez essayer. Et puis là, c'est tout bagarre. Moi, toujours dans l'épice là, ma frio. Pour tout légumes, qui a un bon goût. Ma frio dans l'épice là. Et puis après, je vais mettre des betteraves là. Nous, je vais mettre des rachis en petit carreau. Ma boisse li pour me faire li prendre à épice là. Ça veut dire tout ça m'a quitté au frit, faire un petit frit pour bien prendre à épice là. C'est comme ça moi même moi fait. Me conseiller nous aller essayer même que nous te connait l'autre façon te connait aller essayer n'a pas nouvelle. Comme ça quitter petit commentaire pour moi dis-moi comment nous est vidéo et pas négliger partager like inviter un autre monde à regarder channel là. Nous là pour nous porter puis bon recette créole pour vous. Et puis là c'est et puis du chef là que moi mettez moi gain pour montrer nous paquet hein, pour nous montrer nous pas oublier chaque vidéo ça veut dire partager là me soute mettez poivre nous soute mettez un petit poivre moi mettez petit poivre de manger me fait manger bien goût il levait goût manger hein. Et puis moi vais mettre un petit cocoé un petit lait cocoé parce que me soute mettre plusieurs l'autre bagaille là-dedans pour li pa couler na chaudi a mettre un petit d'eau cocoyé pour moi ka pour moi ka boisser le pour chaudi pour chaudi a ka pa couler ka pa brûler. Et puis là nous boisser ensemble tout ça c'est dans épice là toujours tout bagaille ça a fri. Et puis là mettez persil moi mettez piment piqué excusez mettez piment piqué moi que moi pique girofle la dan. Et puis là tout bagay moi frit et puis après moi mette carotte moi mette là tout a frit dans épice là mette une après l'autre a pon ti temps ou boisson yo pour tout a fort ka bien c'est comme si on poids ou ta frit dans épice là mais vu que pa gen c'est pas poids c'est ça yo ou frit tout ingrédients ça yo dans épice là que nous te mette ya. Là nous ka wè y a bien fruit là avec tout bagay yo la dan. Et puis là moi ajouté choum que me té raché que nous té wè déjà ça c'est choum moi m va le brasser ensemble pour me faire tout prendre couleur pour bien mariner dans épice là dans tout bagay yo bien mariner. Et que me trouver ça c'est une petite recette qui très facile. En plus, tout le monde dans le pays qui a eu un peu de tout petit ingrédient, c'est des bagailles qui très populaire et que c'est des bagailles qui sont bon pour la santé. Ces feuilles, la vraiment aidé nous et li pas coûteux. Ça veut dire que n'importe qui n'a pas gagné comme là, on fait bon petit manger bien vitamineux, qui est bon pour la santé ou pas besoin de trop de bagailles pour faire li. Et puis, on met un petit lait de coco et la dame. Parce que m'bral couvri li pour choua tout bagay yo ka fon ti cuit tout petit. Et puis là m'couvri li pour 2 minutes. Après 2 minutes m'découvri li nou ka wè choua descend, ça veut dire li commence li prend bon chaleur. Li fon ti descend. Wow! M'conseille nou al essayer ti manger ça. On moun sou pa konn fè, al essayer fè, li vraiment bon. Elle est bon pour santé auto. Et puis là m'a mettre un petit cocoyé parce que moi j'ai mettre cocoyé dans manger. M'a mettre un petit cocoyé. M'boisser. Waouh. Mon conseiller nous mes amis, merci. Pas oublier abonner avec Chanel là. Abonnez mes amis, invitez vos amis, invitez vos familles, venez suivre bon recette créole. Bon manger haïtien.
sous la cuisine. Et puis là, c'est de l'eau moins chaud. Moi, j'ai utilisé de l'eau chaude pour moi faire genre de manger ça. Puisque pas de guita on bagay qui t'a boué dans de l'eau, moi, je prends de l'eau chaude. Ou même, on peut utiliser de l'eau chaude, on peut mettre de l'eau froide, il n'y a pas un problème. Mais moi-même, j'ai utilisé de l'eau chaude pour me mettre là-dedans parce que pas de guita pour que tu bouilles, pas de guita pour que tu prennes de l'eau, ça que tu bouilles. Même pas si je mange trop froide, je prends de l'eau chaude, je mets là-dedans plutôt. Et puis, je vais ajouter un petit beurre pour qu'elle lâche du riz. Parce que son du riz jardinier que je vais le faire. Et puis, je vais couvrir le chaudier bouillir. De temps, je vais laver du riz à moi-même. Pour moi, quand je vais mettre du riz à le chaudier bouillir. Là, de l'eau bouillie. De l'eau bouillie. L'eau bouillie là. Je vais goûter. Pour moi, il faut toujours de l'eau bouillie. Avant de mettre whatever bagage à goûter pour voir s'il y a sel, s'il pas manqué rien, ou font y ajouter après ça ou mettez ça ou gain pour mettre. Moi, je que je manque un petit sel, mettre un petit sel là-dedans. Je bois sel. Avant de mettre du riz, je me conseille de faire ça. Parce que des fois, quand tu mets du riz, tu as oublié de goûter pour essayer de sel ou tout garder. Et même si tu as lavé du riz, tu vas mettre du riz. Il y a un petit truc, ma bano. Des fois, il y a des gens qui disent qu'ils ne connaissent pas comment du riz sorti pas. Si du riz sorti pas, c'est eux-mêmes qui veulent. Là, tu mets du riz. Depuis, il y a un petit tête qui rete. Ça, c'est un truc pas moins utilisé. Moi-même, depuis, je ne connais pas comment pour moi faire. Si on chaudit, si je ne suis pas habitué. D'ailleurs, tout chaudit là, quand je suis habitué à combien de riz je prends. Comment manger au cabre? Dès que vous avez dépassé de l'eau, vous n'avez pas besoin de durer ou pas pâte. Ça veut dire que vous avez un bon petit durée, bien grainé, bien court. Là, nous avons duré monter de l'eau. Ça veut dire durée ou pas pâte. Et puis là, ma boisson durée avec tout mélange. Waouh! Elle est belle, elle est cute. Donc, ouais, ma boisse ensemble, vous supposez boisse pour vous pas coller. Et en plus, nous avons les légumes en pile là-dedans. Faut boisse du riz. Hein? Ça. Boisse du riz. Et puis, je vais juste tendre du riz séché. Je vais en boisse du riz. Moi, j'ai sel tout le bagage. Ok. Moi, là, je vais quitter du riz séché. Je vais tourner les du riz séché. La durée m'a séché. Ben, voilà. Durée m'a été sèche. Et puis, l'air dure sèche comme ça. Ou descendre du feu. Hein? Mais là, m'a été descendre du feu. Mettez la 2. Et puis, m'a couvrir durée pour me tenir bon. Là, durée m'a été cuite. Mes amours. Wow. À la belle nourriture, ça. C'est du riz jardinier. Merci à tout le monde qui prend temps yo, qui prend ça yo pour regarder vidéo à la durée m'est cuite. Merci parce que vous pouvez le partager, vous pouvez le faire un autre amour abonné. C'est Farah Cuisine Créole qui entre la caillou. Nous te porter une petite vidéo du riz jardinier pour nous. Merci, merci, n'a pas une prochaine vidéo. Bye. Ciao.